C'est parti, nouvelle vidéo. Donc là, on est en direct sur Insta. Je pense que les gens ils vont arriver. YouTube. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, ça va être jambes, abdos dans le même esprit qu'hier. Donc, on va enchaîner des exercices pour les jambes. On va utiliser toujours que deux haltères et une barre de traction. Et c'est la même chose toute la semaine. Ok. Sauf demain. Peut-être que demain, il y a besoin de juste une barre de traction. Voilà. Et par contre, demain, comme j'ai dit hier, prévoyez large au niveau du temps. Donc toute la semaine normalement, c'est des entraînements. Prévoyez la journée. C'est des entraînements de 45 minutes à peu près, sauf le mercredi, c'est-à-dire demain où il va essayer de relever un challenge. Et Pascal, il m'avait dit ouais, Furo, pour le jour de ton anniversaire, est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi et tout? Je lui ai dit ouais, bien sûr, avec plaisir. Et il se pointe aujourd'hui. Joyeux anniversaire, frérot. Il met une story et tout. C'est pas son anniversaire. Je lui ai dit merci, toi aussi, joyeux anniversaire. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit bah si on respecte plus les jours, viens, on fait au hasard. C'est quoi, je viendrai demain. Donc, du coup, voilà, donc il est là pour faire plaisir. Pascal, Radouane. M'a envoyé un message et Radouane, il m'a limite insulté. Il insiste. Mais si, frérot, c'est aujourd'hui. Hein. Je lui ai dit non, c'est toujours pas aujourd'hui. Allez, je suis sûr. Je lui dis si tu veux, on le souhaite aujourd'hui. Momo, il t'a appelé, il t'a envoyé un message. Momo aussi, ouais, il m'a envoyé un message. Donc voilà, le 4 c'est le mien, le 6 c'est le sien. Le 5 c'est ma fille, il y a personne. Il y a ma fille, et c'est beau direct. Ne confonds pas ta fille et PJ. Non, mais j'ai pas confondu, mais moi c'est mes petits. Bon écoutez, j'envoie le son. Ça dit sur Insta. Salut, ça arrive. Bon, en tout cas, ça fait rire les gens. Nadir, il est ouais, là. Ouais, Nadir. PJ en PLS dans une heure. Salut les frérots. Et joyeux anniversaire PJ. Non, Arthur, c'est pas mon anniversaire. Stop. Arrêtez. Attends, on aimerait juste savoir, est-ce que Nadir, il a combattu le champ? Non, ça avait... je l'ai vu après une fois. Ouais, mais je sais, mais après ça avait été annulé, tout ça. Mais après, il est rentré, non? Ah, il est rentré. Okay. Parce que Champ il a combattu avec Nadir, il a combattu un autre. Un donc, fort. Champ, c'était celui qui a... Le champ. Qui a perdu contre PJ. C'est parti les gars, trottinez sur place s'il vous plaît, chez vous, trottinez sur place. Regarde bien, s'il te plaît, on fait 40 minutes d'entraînement. Mais toi, tu parles pas, tu es coaché, d'accord? Ouais, c'était un peu plus hier quand j'ai regardé. Non, il est content, lui, Non, mais je te dis, c'est bon, commence à le dire. Ah, mais sur quoi, bro? Tu me l'as pas dit avant de venir t'entraîner. Tu l'as pas mis en commentaire hier. Parce que c'est pas moi qui commence, c'est lui. Allez, garde à vos fesses. Donc là, le but, pendant 3 minutes, c'est d'augmenter. Ma sonnette, j'essaie d'aller styler. Le but c'est d'augmenter le rythme cardiaque, se réchauffer, prendre un petit réchauffement. Mais toi de dos, Pascal, particulière. On voit le style avec le t-shirt quand même. Hein? Ah, là, on veut pas mettre ce style, frère. Oh, respecte nos vêtements. C'est ça, frérot. De toute façon, c'est plus mon frérot. Le mec qui se trompe sur ma date d'anniversaire, c'est plus mon frérot. Arrête, c'est bon, je vais me faire pardonner, qu'est-ce que tu veux? Donc, je voulais annoncer que ce magnifique ensemble arrive dans. De nouveaux coloris demain soir sur le site. Le kaki est plus dispo, je crois, il nous reste très peu de taille. Celui-ci, il reste plus grand chose. Mais on a bientôt de nouvelles couleurs. C'est quoi les nouvelles couleurs? Une heure de talon fesse. Ouais, cher, grave. C'est important de choper les ischios, ok? Pour vos genoux. Montez les genoux. Je vous explique tout de suite le premier exercice. Donc ça sera des squats rebonds, ok? Trois petits rebonds, vous avez les deux haltères en cœur position haute, trois petits rebonds, on monte, fente avant d'un côté, fente avant de l'autre côté et on recommence, 1, 2, 3 et ainsi de suite, ok? Donc PJ va prendre les 20 kilos. Et Pascal les 24. Les 15. Bien sûr, vous commencez une série à 10 kg pour s'échauffer. Donc, vous le relâchez. Je voudrais des jumping jacks, s'il vous plaît, classiques. Ah, des classiques. Moi, je peux faire les BT, moi. Non, la version classique, frérot. Là. Attends. Allez, chez vous, jumping jacks classiques. Super. Et on reprend les montées de genoux pour 10 secondes. Ouais, allez, accélère. Et on se plaint pas. Non, c'est moi le coach, c'est moi qui coach. Parce que c'est moi le coach. Allez les gars, accélérez. 3, plus vite, 2, 1, tout de suite, prenez une paire d'haltères. 8 et 10, juste pour commencer. 8 Pascal. Oui. Je prends la centrale, s'il te plaît. Voilà, super. On descend en squat, 3 petits rebonds. 1, 2, 3, monte. Fente avant, revenez de l'autre côté. Fente avant, reste dans l'axe, Pascal, reste dans l'axe. Et on reprend.
2, 3. Tente avant. Voilà, super. Voilà, soyez coordonnés, c'est joli. 1, 2, 3, et on repart. C'est vraiment des petits rebonds bien bas. On essaye de bien chauffer, bien finir d'échauffer les articulations. Ah, on chauffe toujours là ? Ah oui. Ok. Ah bah après, vous allez augmenter. C'est bon, on est chauffé là. C'est à vous, ça, c'est à vous de ressentir. Ok, détendez un petit peu. Maintenant, prenez le double en arrière. PJ, tu passes à 20. À tout moment chez vous, vous adaptez le poids. Si vraiment vous n'en pouvez plus, c'est pas grave. Vous lâchez les haltères, mais vous continuez l'exercice. Le but vraiment, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de faire le nombre de répétitions que je vous dis. Il y aura du repos, ne vous inquiétez pas. On va partir sur le même principe qu'hier, une minute de repos. Allez, Pascal. Okay. Les 16, 15. Okay. Voilà, 15. J'étais perturbé. Même à 10, c'est bien. Ouais, oh, je pense que c'est optimiste. Hein. C'est pas grave, après tu lâches si t'en peux plus. Okay. Ça, c'est ce que tu veux. Vous êtes chaud, les gars? Combien de reps? 10. Ça va, allez. 10 fois les squats. C'est quoi, on va changer s'il y a plusieurs. Allez. 3. Petit, hein. 2. Commencez par les squats, essayez de garder le même rythme. Comme ça, vous ne perdez pas les jambes. Commencez par les squats, les autres, en place. 3, 2, 1, top, c'est parti. 3, ok, fente avant. On revient. L'autre côté. Ça fait 1. Ok, je rappelle les positions. Pour les squats, donc vous poussez les fesses loin derrière. Les genoux ne partent pas vers l'avant. Vous avez le poids du corps sur les talons. Le dos reste plat. On garde juste la cambrure naturelle. Ok, on fait les trois rebonds et on remonte. Pour les fentes, c'est exactement la même chose. Le poids du corps est sur la jambe avant. Sur le talon de la jambe avant, vous repoussez. On va poser les haltères. Ça va venir les poids. Si tu veux, oui. Si vous voulez, oui. Descends un peu plus, Pascal. Le but, c'est que vous ressentiez les cuisses. C'est sûr que si ça vous détruit les épaules, adoptez une autre position. Là, vous êtes arrivés, les gars. 6 sur 1. Allez, allez. Bien. 9. C'est un mytho. Hey, je vois que ça chauffe, hein. Chez vous, comment vous le ressentez là? Ça annonce la couleur. Pascal en galère mort de rire. Ils vont être dans mal dès l'échauffement. Ah oui. C'est bon là, non? 10. Ah, ok, je t'ai dit d'en faire 10, moi je ne sais pas compter. Ah! Si t'as fait 10, tu poses. Dernière plutôt. Ouais. Allez, gros, vas-y. Putain, même les épaules, je ne peux plus. Et la dernière, top chrono, une minute de repos. Bien sûr, vous adaptez la charge s'il faut, les gars. Vous pouvez inverser. C'est tenir, donc c'est dur. Ouais. Les jambes un peu, hein. Léger les jambes, pas sur de ouf. Non, si, surtout cardio. Cardio épaule. Si, quand même, les jambes. On les jambes, toi. Parce que je suis pas. Quand tu t'as perdu de ouf. Mais il a perdu quoi? Il a mal pris là. Non, je laisse. Peut-être que j'ai perdu, peut-être que c'est positif. J'ai perdu du poids. Du gras? Ouais, du gras. Ouais, sûrement. Allez les gars, on va attaquer dans 15 secondes. Tranquille, dans 15 secondes. Viens, on en fait 10. T'en fais 10, t'en fais pas 6. Frère, j'en ai fait 10. De toute façon, vous avez la vidéo. Déjà, moi, je vérifiez s'il en a bien fait 10. Je sais pas si j'en ai pas fait que 9, moi. Alors, sur 3, 2, 1, top, c'est parti, les gars. Voilà. Essayez de vous mettre en supination si ça ne te dérange pas. Si ça ne te fait pas plus forcer. Ah, si ça te fait forcer, de ouf. Les épaules, ouais. Ouais, voilà, bien. Un petit peu plus bas si tu peux tes squats, Pascal, les petits rebonds. Bien, les gars, ça respire fort, ça grimace. C'est bon, ça. Ah bah j'ai dit ça respire fort, pas ça gémit. Qu'est-ce que tu nous fais là?
poids du corps toujours sur les talons, on laisse bien gagner les abdos serrés. PJ, à chaque rep que je regarde, il a changé de technique. Les mains bientôt, il va les tenir comme ça, les haltères. Combien là? Je crois que je suis à 5. 5, bien. Et rebond un tout petit peu plus haut, pêche. Je connais les techniques de on se repose sur les hanches. Ouais. Ça me démonte les épaules. Non, mais j'ai pas dit qu'on redescendait les haltères par contre. Ah. Et surtout, on s'arrête pas. Si vraiment t'es un peu plus gros, tu poses des haltères. D'accord? Ou tu m'en demandes des plus petits? Je te donne. Ah. Ah. Combien de reps? 6. Ok. Pose, pose. Allez, allez. Repars tout de suite, on repart tout de suite. Chez vous, pareil. Pas de pause, pas d'arrêt. J'enlève ma veste Hadès. Disponible sur www.hadès.com. On m'a dit sur VPJ, il triche. T'inquiète pas, va. Tout ce qui Allez, les gars, allez. Combien de rêves? Je crois que c'est la dernière, mais je suis pas sûr. Allez, top, top. Cherchez une bouteille. C'est bon, Pascal, top, top, top. Tombez dans les pommes. Ben, dis donc. Je les ai surestimés, moi je pensais que c'était des machines. Franchement, facile. 1, 2, 3, 1, 2. Tu vas trouver le problème. Lui, le problème, Pascal. Non, il n'y a pas de problème. Rico, on est là. Tu te sens mal alors pour l'anniversaire? Je me sens mal, ouais. Je vais voir un peu ce qu'ils disent déjà. Ils disent que t'es maigre, mais un peu gras. Dites-moi que vous galérez un peu, s'il vous plaît. Ah. On va attaquer dans 10 secondes, les gars. Pascal, tu restes sur les 10. Non, tu passes les 10 à PJ. Chef. Ouais, bah il me le pousse encore. Tu sais. Tiens. Vas-y, prends les 8. Ah non, là je prends mal, frère. Allez. On va finir à 4. Prends les 4. Test, stop les gars, c'est parti, dernière série. Allez, allez, on enchaîne. Non, par contre, là, mettons en supination, s'il te plaît. Tant que tu peux. Voilà, tant que vous pouvez, vous êtes en subi. On a un petit son. Donc, pour tous ceux qui demandent pour la musique, c'est de la musique de Epidemic Sound, parce qu'on ne peut pas mettre de musique connue, on peut mettre de la musique. Que de la musique libre de droit. Voilà, donc il faut un abonnement si vous voulez écouter et vous en servir. Donc là, j'ai mis une petite playlist workout hip hop. Je tenais à dire aussi que mon niveau aussi. Ah ouais. Interruption en raison d'une mauvaise connexion. Bah là, on est obligé d'attendre. Reconnexion. Désolé pour tous ceux qui sont en live. Ah, les gars, allez, passez sur les épaules. Donc ça, c'est le squat zombie. Ça s'appelle le squat zombie. Voilà. Ah, bien les gars, c'est la dernière série. Hein. Dur? Ouais. Combien de reps là? 6. Voilà, un peu plus haut tes rebonds. C'est bon, c'est revenu le live. Désolé, il y a eu un petit bug. Vidéo suspendue, bug. C'est bon, on est revenu, on est de retour. C'est la 4G qui nous a fait défaut. Voilà. On est coincé avec la nuque. Parfait. Allez les gars, je vous explique après le dernier exercice. C'est quoi la dernière rep? 2. Allez, fente, fente. Ah. Allez Pascal, c'est bien là. Ça transpire. Je pense qu'il est pas mal efficace celui-là. Dernière? Ouais. Et on relâche! Sans s'énerver sur les haltères, c'est ça? Ok, je vous explique l'exercice qui va suivre. Là, on va travailler un petit peu plus la chaîne postérieure, surtout les ischios et les fessiers. Ouais, c'est pas la peine de faire des grimaces, j'ai pas encore dit ce que c'était. Je dis les muscles qui allaient travailler. Ça me regarde déjà de travers.
Donc là, vous allez faire du soulevé de terre sumo. Au poids du corps? Avec l'alter, bien sûr. Donc soulevé de terre sumo. Ok. Les pieds sont plus larges que les épaules. On descend le dos plat, les fesses loin derrière. D'accord? On frôle le sol, on remonte. Ok? Vous remontez à fond. Tout de suite après, vous allez enchaîner avec des relevés de bassin. Cette fois-ci au poids du corps, mais sur les mains. On ne voit pas sur Insta. Cette fois-ci au poids du corps, mais sur les mains. Ils vont vite voir, regardez. Hop! Je lève le bassin. Monte tapis. Voilà, exactement. Vous êtes prêts, les gars? Là, par contre, vous reprenez les charges du début. Hein. Tiens. On va attaquer, mettez-vous en position. On commence avec le soulevé de terre. Donc, pour le soulevé de terre, je veux bien 2 secondes de la descente explosive sur la montée. Ok? Je veux vraiment voir ça. Ok. Ça nous fait chier. Et dépêchez-vous. Allez! Ouais, explosif la montée, explosif. Boum! Voilà. 3. 5. Allez, 3. 4. 10 et 10, bien sûr. J'ai oublié de préciser le nombre de répétitions, mais c'est 10 et 10. Ouais. Et tout de suite, sur les mains, si vraiment vous tétanisez les épaules, ça, vous allez le faire allonger sur le dos. D'accord? Mais tant que possible, allez, plus haut. Plus haut encore. Allez, remonte. C'est pas des petits rebonds, hein, je veux des mouvements complets. Complets, on descend les fesses à ras du sol. Voilà. Et on monte, plus haut. Contractez les fesses quand vous êtes en haut. Voilà. Franchement, je me pensais plus vaillant, Pascal, sur ce mouvement. Par rapport aux origines? Ouais, je sais pas. Non, parce que... c'est souvent, il est là. Ouais, bon, Pascal. C'est bon? Ceci, cela. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais on continue déjà, vous? Non, mais il reste encore 20 secondes. Il y a du repos, t'inquiète pas. Merde, ça va te chauffer à ça. Arrête, moi aussi je t'aime, frère. Mais pas. J'ai que 2 kilos. Bah là, on peut rien faire pour toi. Tu fais comme tu peux. Bah là, bah, un pack d'eau et surtout travailler sur l'explosivité. Fais ça, on s'en gratis avant. En place, les gars. Je vais vraiment voir l'explosivité, ok? 3, 2, 1, top! Il met la mort! Voilà, mais c'est pas un squat, frérot, hein. C'est un soulevé de terre. Ah voilà. Penche bien le buste en avant. Voilà, c'est bien. Pliez un petit peu moins les genoux si vous pouvez. Plus de. Bien. Voilà, c'est mieux. Là, normalement, vous devez plus sentir les fesses, le bas du dos. Bien les fesses, ouais. Tu sens bien? Oui, Alexandre. 3, 4, allez, avance un peu plus que là. Les deux sont à côté. Voilà. Reste en haut. Contracte moi ces fesses! Rien, imagine une noix par exemple, elle ne peut pas rentrer dans tes fesses. Allez, donc. Tu vas me dire, imagine-toi et quelqu'un il s'assoit sur toi. Une noix ne peut pas rentrer dans tes fesses. Non, une noix non. J'ai vu, je crois, un. Il y avait un world record, un champion de monde qui casse les noix. Les noix avec ça. Et le pire, c'est que les noix elles sont alignées, il est comme ça. Ouais. Tu sais, je savais plus si c'était une légende ou si je l'avais vraiment vu, mais c'était ça. C'est fort. Il lui chuchote des petits mots d'amour. Essaye d'être sympa, t'es fort, frérot. Demain, il va me dire j'ai l'anniversaire. Pardon. Il va sonner. Il va sonner, c'est qui? Demain, il va oublier que c'était son anniversaire. Ouais. Et lui, mais j'ai l'anniversaire. Ah, ouais. Dernière série. Ouais. On se remet en position. Ensuite, on enchaînera avec des abdos. On fera une petite pause sur les cuisses et on y reviendra plus tard. Allez, top, c'est parti! Explosif la montée, explosif. On est bien soulevé de terre, on plie légèrement les genoux, on penche bien le buste en avant. Encore une fois, quand vous êtes en soulevé de terre, il y a toujours cette cambrure sur le bas du dos. Le poids du corps est toujours sur les talons.
les épaules en arrière en fin de mouvement. C'est pas lourd, c'est pour ça qu'il faut être explosif. Même si vous êtes capable de soulever bien plus que ça avec votre chaîne postérieure. 4, allez, 5, 6, 7, 8, on restera en haut pour la 10e. Allez, on contracte les fesses, encore, 5, plus haut, 4, 3, contractez, 2, elle passe la noix là, 1, top. Ok, je vous montre l'exercice suivant. Je vais prendre un halter de mon niveau. Celui-là, il était moins cardio au celui d'avant, le but. Hein. Ouais, ah, celui-là, c'est une dingue. Même celui-là. Niveau cardio, je pense qu'il n'y a pas très lourd. Mais gros, tu fais beaucoup de reps au final. Ouais, ça tu fais 20 fentes, ouais. 10 squats trop bons. Donc là, vous partez les pieds au sol, genoux fléchis, l'halter sur la poitrine. Ok, vous montez et vous tendez. Pourquoi tu fais avec 2 kilos pour la faire avec 2 kilos, non? Non, moi j'ai pris un halter de mon niveau, vous êtes des professionnels. Ouais. Ok? Ouais. Combien tu penses? 8, 8 je pense. Je pense quoi? 5 et 5, on va commencer. Bah tu en prends un seul. Ouais. Non, on a pris 5. Ah, vous avez pris 10? Ok, non, on est pas des merdes. C'est vous qui voyez. Enfin, je sais pas. Les pieds se décollent pas, hein. J'avoue, ça va être dur. Ouais, mais oui. Pour la non, je sais pas, franchement, je sais pas. Avec un 10, pour la fin, un 10, c'est dur. Ouais. Mais tentez, là, on tente la première semaine. Hein. Si vraiment c'est facile, vous gardez les bras tendus. Donc, je te laisse juste leur montrer. Ah, mais je vais montrer sans alter, non plus. Donc, juste garde les bras tendus du début à la fin. Non, mais au-dessus de toi. Voilà, comme ça. Voilà. Si vous, chez vous, de fait, vous avez des petits haltères, que c'est pas assez lourd, vous gardez les bras tendus au-dessus de la poitrine en position basse, au-dessus de la tête en position haute. C'est parti les gars? Là on part sur 15 répétitions. Ah ouais, mais il rajoute aussi. Ouais, mais cher. Attends, j'ai ma couette, voir qui touche. Moi ça va, ça me perturbe. Ça va toi la couette? Ouais. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, on décolle pas les pieds les gars. 2, 3, 4, bien, super, aspirez le nombril, concentrez-vous sur le travail des abdos du grand droit. Les épaules. Lui, quoi qu'on fasse, il sent les épaules. Non, mais là, c'est normal. Yeah. C'est normal, je crampe au mollet. Je sais pas comment il compte lui. À l'anti-ESO. Je jure, j'ai fait 15. J'ai juré. 5. Ah, mais lui plus approximatif. Il y a ma mère sur le live. Elle va t'en parler des anti-ESO. C'est vrai qu'elle est là ou pas? Oui, c'est vrai. Salut René. Ça vous fait René. Gros bisous à René. Bah, pour demain, elle aime beaucoup sa maman. Ouais, de ouf. Merci, c'est pas toi. Merci beaucoup. Merci pour elle. On reste les bras tendus même en bas aussi. Ça c'est l'option difficile. Ah. Plus facile, tu commences à faire sur la poitrine, okay. Et tu te sers de l'élan des bras pour monter. Tout le monde a un élève quand on est prof comme ça. Il y en a toujours un qui comprend chi. Allez, on passe. 15 répétitions. 3, 2, 1, go. 1, sans décoller les pieds les gars. 2. 3, voilà. Et on retient à la descente. 4, on se laisse pas retomber. 6, voilà. Si c'est trop dur, regarde, comme ça. Ça va. C'est les épaules. 8. Comment elle est éclatée au sol cette chanson. Ah, voilà. Combien là? 14. J'arrive plus à tendre les bras, gros. Ça brûle pas les épaules? Hein? Ça dit quoi dans le live là? Ça rigole, ils sont à l'entier. L'égile va vomir. Définis le squat en une heure, allez. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ça, c'est du coup de chat qu'on va faire.
Ça me dit, ouais, demain, je vais lui faire définir le squat en une heure. Vous m'avez vu ? Je vais faire un défi. Oh, le but, c'est qu'il soit au bout de sa vie. 1000 squats à vide, ça sera pas au bout de sa vie. Ça te taille pas ? Allez, troisième série, c'est parti. Oh, il part mal. Troisième série, c'est parti. Il part mal. C'est directif, en fait, c'est directif. Est-ce que tu veux que je te dise s'il te plaît la prochaine fois ? 7. 7. Putain, c'est tricheur. Je sais là, on est sur quoi là, on est sur vraiment. Ils sont moi, me fait des vins. Ils sont là. Voilà. Un en face. Donc vous, chez vous, pareil. Vous mettez à peu près les haltères à 2 mètres l'un de l'autre. Ah, on va se jeter les haltères. Voilà, le but c'est de se les jeter. Ça c'est quoi, 15, c'est Pascal. Là, un là et un. Ah, bâtard. Et donc, on pêche là. Un 20 là, un 20 là-bas. Ah, putain, le. Et du coup, un 15, un 20 là. Ouais. Là, c'est 15. Voilà, on va se faire. Voilà, puis j'ai mis le temps là-bas. Oh, c'est dur, Pierre, vous allez les mettre comme ça. On fait de la course. Ok. À chaque fois, vous les reposez comme ça, s'il vous plaît. Même ton ok, je l'aime pas. Exercice, ça va être. Donc, squat, sumo, d'accord, on n'est plus en soulevé de terre, donc cette fois-ci on descend bien les fesses, on essaie de garder le buste droit. Squat, sumo, on repose, squat jump. Squat, sumo, on repose, on se tourne. Squat jump. Ok ? Il y aura ça. Et on terminera à la fin, quand je vous le dirai, vous serez entre les deux là. On ira toucher les haltères avec la main opposée. Ok, le plus vite possible. Ça marche ? Attends, mais il est légèrement, il est grave mal. Ok, chez vous, la même chose. J'envoie du son. Combien ? C'est moi qui vous dirai. C'est autant. C'est pire, ça. C'est autant. Fais des grimaces. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On arrive, on reste de face, on le refait, demi-tour, on saute. On refait ? Ouais, on saute. Ah, on ne fait pas. Non, tu fais qu'une fois chaque fois. Oh, bordel. Ouais. Oh. T'as plus de sommeil, pense à nous, hein. Allez, allez. Allez, chez vous, là, c'est au tour, là. Les deux pieds en même temps, hein, sur le demi-tour, s'il vous plaît. Ça chauffe là, normalement, hein. Ouais, t'es ouf. Encore, un saut. Encore un saut et vous mettez en place pour ne pas chasser. Top, c'est parti. Allez, pêche, allez, pêche. Ça tétanise, je le vois. 10, 9, plus bas, les gars. 5, 4, 3, 2, top, vous relâchez.
J'essaie d'annuler le live, quoi. Alors, le dieu, il a senti les cuisses? Il a pu les cuisses. Mais le plus fort. Et chez vous, vous avez bien senti? Normalement, vous devez faire. Si vous êtes en appartement, vous faites trembler les voisins là. Les gilets souffrent, dur. Eh oui. Chacun son tour. Infect cette maison. De ouf. Alors, place, les gars. On fait deux plus un plus court. C'est chaud, hein? Il y a eu zéro satisfaction. Je montre rien. Ouais, mais si je montre rien, il va nous laisser encore plus. 3, 2, 1, top. Il en reste plus qu'une, les gars. J'ai l'impression que ça les pique un peu. Je les entends pas parler, ils sont pas joviales comme au début de la séance. Un peu d'entrain. Un peu de sourire. Une blague. Allez, passez à une petite blague. Est-ce que tu connais l'histoire des. Du poisson rouge? Non. Non. C'est un poisson rouge, il est arrivé dans le bar. Et il a planqué tout le monde comme ça! C'est ça? C'est chaud là! Allez, la dernière série! Tu connais la blague du nombril? C'est un nombril, il est arrivé! Non! Il a craché sur tout le monde! T'as déjà entendu ou pas? La blague du nombril! Ah, je vais légèrement faire le nombril! Ah non! Allez, en place. 3, 2, 1, stop, c'est parti. Allez, plus explosif encore, les gars. C'est encore plus court que tout à l'heure. C'est pas mal. Tu mets mieux au ralenti, hein. J'école. Tu mets mieux au ralenti, ça, s'il te plaît. Dernier soir. Ah. Retourne là-bas, Pascal. Le gilet a chuté. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ça? Tu m'as dit retourne là-bas. Allez, vas-y, stop, c'est parti. On descend sur les appuis. Ouais, Pascal, toi, je vais te faire toucher avec les coudes. Regarde, il a des bras, il touche le sol. Un orang-outan, le mec. Allez. 3, 2, top. Bon, là, j'ai. Ce qui est toujours. Regarde, ça c'est travaillé. Hein. Ça gonfle un peu sur les côtés. Les cornes du crabe. Les pinces du crabe. Pascal, il y a pas de problème, Pascal. Nico. Ça va, les gars? C'est dur. C'est dur? Là, c'est dur. Là. On va enchaîner tout de suite. Ok? Sans matériel. 6-6 squats. Donc c'est un exercice, c'est pas Sissi qui l'a inventé, mais il s'appelle comme ça. Sissi squat, vous restez sur là. Souvent le squat, on vous explique, dès le poids du corps sur les talons, les genoux partent pas vers l'avant. Là au contraire, on n'a pas de charge additionnelle, on fait que au poids du corps, on va se mettre sur la pointe des pieds et on va essayer d'amener les genoux vers le sol devant. Là c'est pour avoir un travail des quadriceps, ok? Et on remonte. Et tu connais le Sissoun squat? Le 6 squat, c'est avec un kettlebell.
C'est vrai? C'est Sisune qui l'a inventé, ouais, Sylvain Erbanovitch. Ah ouais? Sisune squat. Le Sisune squat. Putain, il est dur à dire en plus. J'ai un problème au niveau de la mobilité de la cheville. Bah après, c'est... t'as juste à avancer plus le bassin. Vas-y. En fait, le but, c'est que vous fassiez une planche en fait entre le buste et le bout des genoux. Et vous remontez. Faites une Michael Jackson. Ok? Ouais. Voilà. Il avait des clous, hein? Non, c'était des crochets. Et c'était pas sur ça. C'était sur smooth comme ça. Ouais, c'était en avant comme ça. Ouais, pas de temps. Et tout de suite, en derrière, on enchaîne avec les cuisses au sol, prière. Oh. Ah, là, c'est les quadris. On a fait un circuit tout à l'heure où on travaillait plus les ischios et les fessiers. Je vais tomber, gros. Je sens mais là, cette fois-ci, c'est les quadris. Elles sont aléatoires, mes jambes. Allez, les gars, on passe. On passe en six squats. T'as pas besoin de savoir. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Parce que je vais tomber, gros. Les gars, vous pouvez vous tenir. C'est ça? Et ouais, mais après, il faut pas poser les genoux. Ah, et bien après. C'est ça. Ok. Là, tu descends. Bien gainé, tu remontes. Moi, je suis pas chaud. Combien on en fait? Vous en faites 10. Putain, les cuisses, gros. 4. Allez, allez, allez. Putain, il va faire les demi, hein. Regarde, il fait le malin, il a fait 5 squats aujourd'hui. Regarde, fais-en 100. Moi, je trouve que c'est facile, hein, franchement. Ah, 16. Allez, 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 allez. Ah, 8. Allez, ouais, regarde. C'est bon, hein? Ouais, tout de suite, 10. Donc là, regardez la position. C'est les genoux à ras du sol. On amène les fesses vers les talons et on essaie de tendre les jambes un peu plus, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Et là, je vous assure que vous sentez les quadris comme jamais. Je vais vous le montrer pour le live de profil pour que vous le voyez bien. Attention. C'est bon, Pascal ? Fais semblant de bailler, Pascal. Donc, je vous montre la position pour ceux qui sont sur le live qui ne voyaient pas. J'ai les genoux à ras du sol. Attends, ils ne sont pas posés, ils ne sont pas en l'air, sinon ça ne fonctionne pas. À ras du sol, on ne bouge pas la fonction des genoux, on amène les fesses vers les talons. Et on tape. Et on bouge. Alors là, un coup de genou dans chaque cuisse, vous tombez par terre. Non, pas besoin, je pense. Un petit coup comme ça. Allez, en place. Abuse-toi après. 3, 2, 1, top. Et 6 secondes de récup. De ouf. Ça, elle tremble. 2, c'est bien pêche. C'est bien de la merde, Pascal, c'est bien de la merde. Trois. Vas-y, allez, tiens-toi, frérot, tiens-toi. Ça me... C'est le limbo sur l'eau, donc il descend comme ça, hop, sauf que lui il a les genoux en même temps qui font ça, donc il est là, tac, 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 tac. Et il descend, et mais il a un grand sourire, ouais, et il te regarde comme ça, et je sais plus c'était quand il a perdu l'équilibre, il s'est dit putain, ça manque d'entraînement, c'était l'été dernier, c'est vrai, c'est le dernier effort sur les jambes, tu crois le pas. Allez, dernier effort, et dernier exercice et dernière série. Non, celui-là il est dur parce que dès que tu perds un peu l'équilibre, tu tombes. Allez gros, c'est parti. Oh, j'ai les jambes, j'en peux plus.
Tiens-toi un peu moins, frérot. Force avec les jambes. Ah, mais je pense que les jambes là. C'est le bâtard. C'est le bâtard. Je vous jure, tout à l'heure, elle est descendue comme ça. Elle est remontée comme ça. J'avoue, c'est le réflexe. T'as envie. Il est descendu. Allez, go, chez vous, c'est comment? Bon anniversaire, PJ. Y'en a qui a une bonne anniversaire, PJ. Ah, c'est vous qui vous conservez un peu de décence, les gars. Tu sais, je m'en bats les couilles, là, je suis assis par terre. Je peux faire des sales têtes. Donc, pour terminer, ça va être un relais entre vous deux. C'était la dernière. La dernière pour les jambes, j'ai dit. Ah. Il y en a un qui va être en gainage sprinter. Donc, je rappelle que le gainage sprinter, ce n'est pas des mountain climbers. C'est vraiment, on pose la jambe devant. Ok? Voilà, parce qu'on ne sent pas trop la cuisse. Et pendant ce temps-là, il y en a qui fait des relevés de genoux suspendus à la barre. Ok? On va faire ça pendant 2 minutes. Donc chez vous, vous prenez en repère soit Pascal, soit PJ, et vous suivez son rythme. D'accord? Peu importe. De toute façon, ils vont tourner régulièrement. Ouais. Tu veux commencer par quoi? Ouais, tu veux commencer par quoi? Et là-haut. Là-haut? Relever de genoux, t'as pas dit suspendu là-haut. Là-haut, ça dit quelque chose. Ah, il y a un nouveau son sur Spotify qui s'appelle là-haut qui vient de sortir. Ah, c'est animé là-haut. Ah, je le patine. Tu t'as inspiré d'ailleurs, sinon t'aurais jamais pensé à l'appeler là-haut. Ouais. Là-haut. Putain, gros, les cuisses. En place, les gars, c'est le dernier effort. Putain, demain, le challenge sans pompe, il va être bien. Pourquoi je peux... pour demain. Je vais te regarder fort. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Voilà, essaye de poser les deux en même temps, si possible. Je sais que c'est dur, hein. Les épaules? Non. Genoux, c'est Pascal, c'est... genoux, Pascal. C'est général. Non, les genoux, poitrine, à la poitrine. Allez, qu'est-ce que je veux? Genoux à la poitrine, frérot. Ah! Mais sans en faire une roulade. Ok. Ah, ok. Tends les bras. Tends les bras, vas-y, change. Okay. Par contre, là, je rajoute du temps. Hein. Pourquoi? Parce que là, il s'arrête, il change de roue, tranquille. Voilà. Deux. Regardez, bon élève. C'est bien, les gars. Il ne reste pas énorme, Regarde devant toi. Tu changes? Ah, top. Ah, il reste plus qu'une minute. Oh yeah! Putain, tu sens bien de pas. Ah, frérot, allez! Tu le sales, là. Ouais, c'est bien ça. Allez, c'est bon, les gars, vous avez le rythme, Change? Je sais que ça pique pas, c'est vraiment. Pascal, trop fort. Il reste 30 secondes, les gars. Ah, les pinces de crabe de PJ sont ressorties. Oh, vas-y, change. Allez, c'est la fin, les 30 dernières secondes. Et là, on reste sur ces positions. Vous changez plus. C'est bon. On passe trop de temps dans les jambes. Encore, allez, ben j'allais. 10 secondes. Un pied après l'autre, s'il faut. Un pied après l'autre, ne t'arrête pas. Allez, il est vaillant. 3, 2, 1, top, relâchez. L'entraînement est terminé. Oh yes. Je vous laisse suivre. Tiens, Pascal. Pour les étirements, s'il te plaît. Donc, quadri, ischio, adducteur, mollet, et ce sera bon. Ah, ok. Ok. Bon, vous avez kiffé cette séance, j'espère. La mif pour de vrai, on rigole.
en se chambre. Et c'est des vraies séances très efficaces que vous pouvez faire chez vous. Avec juste deux haltères et une barre de traction. Je pense même au poids du corps, là, la plupart, tu sens bien. On va commencer à se mettre à genoux. C'est quoi le plus dur pour vous? Ouais, le premier exo, frère, il nous a mis dans le mal direct. Vous faites descendre, ouais, le premier exo. Ouais. Ouais. Vous faites descendre bien les fesses au niveau des talons. Si vous êtes plus souple, vous écartez un peu. Pour pouvoir bien étirer au niveau des quadriceps. Si vous sentez rien, vous pouvez et basculer, voilà. Ouais, mais moi je sens déjà là. Ah, mais là, non, vous êtes content là. Ouais, c'est ouais. Ah, mais, demain, il y a demain. Il y a demain. Ensuite, vous avez un mode sprinter, puis après-demain aussi, puis après-demain, puis la semaine prochaine. Vous passez la jambe vers l'avant, vous remontez un peu. T'as pas de thermorégulation toi? Non, toi, ton corps, c'est un serpent. Il fait chaud, il transpire. Il fait froid, il a froid. Tu sais, son corps, il essaye pas de réguler un peu la température. Et vous allez chercher bien loin devant et en essayant de descendre aussi les fesses, sans faire d'à-coup. Et là, ça va étirer au niveau des fesses. Tire la langue. On pose les mains par terre, on change de côté. Tire dans les psoas. On se met droit. Et on descend bien les fesses. On sourit. Je peux pas m'attirer là. C'est trop congestionné, j'y arrive pas. Ah, pareil. Allez, on va maintenant remonter. J'ai déjà en béton. Je le ferai tout à l'heure. Faites comme vous voulez. Le principal, c'est que vous le fassiez. On va maintenant descendre. On garde le dos droit. Sans appuyer la main sur les genoux. Pour pouvoir étirer au niveau des mollets et au niveau des ischios. Maintenant qu'on est bien descendu en restant droit, on relâche les mains. Bon, je transpire. Ah bon? Allez. Ouais, mais on rigole, mais transpirer c'est bien. C'est justement que vous régulez votre température corporelle. J'ai ça pour le faire chier. On va finir par ça, on va étirer. Merci Véro. On va étirer au niveau des hanches. Donc on va écarter un peu les jambes un peu plus larges que les hanches. Et on va aller chercher sur le côté. Et vous allez faire descendre la main qui est le long du corps dans un premier temps. Mais pour y aller, d'abord, vous prenez l'autre. Hop là. Et ensuite, vous essayez de bien descendre. Et vous inspirez. Vous respirez très lentement. Vous respirez, vous inspirez. Et à chaque fois que vous relâchez l'air, vous essayez de descendre. Il est souple. Parce qu'il y a une voix. Et là. Il a, pris côté. Il a pris sa petite voix de professeur de fitness. Descendez bien les mains. Et vous allez chercher loin, loin, loin avec la main. Et vous remontez. Eh, bravo tout le monde. J'espère que vous avez kiffé la séance. On se retrouve demain, cette fois-ci pour un challenge, toujours avec... Sans pompe. Non, sans matériel. J'ai dit sans matériel tout à l'heure. Donc demain pour un gros challenge, j'espère que vous êtes prêts à relever ça. Comme j'ai dit, hein, prévoyez large au niveau du temps. Prévoyez. Prévois. Non, mais chez vous, prévoyez large au niveau du temps. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'était Alex, PJ et Pascal. Là, on se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la paix.